Bonjour à tous et à toutes. Donc bienvenue à la chaîne. Nous allons faire aujourd'hui tout vite fait pour avoir la armure Zora totalement complète. Puisque pour l'instant on a que le haut, on va avoir le casque et les jambières. Donc déjà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et un petit commentaire si vous voulez. Oh mais non, c'est pas là que je veux. Ah, j'ai toujours. Ah bah c'est bon. Bon, un peu trop gros. Voilà. Toutes les armes respawn pas au même endroit, mais pour moi comme ça. Donc, on va voir les quêtes. Parce que déjà, il me faut la quête. Alors attends. C'est celui-là, voilà. Où est-ce qu'il est ? Derrière moi. Mais non, c'est pas toi, il est au-dessus. Que ça marchait. Oh mais j'ai pas pris la photo. Bon, je pensais l'avoir pris en photo, donc je vais le reprendre en photo, tant pis hein. D'escalade. Bah, pour l'instant c'est tout, ça suffit. Ah, vous pouvez marcher le long de la muraille, vous avez deux coffres à gauche et à droite. Pas monter. J'ai mis l'armure ou pas? Mais non, je suis bête. Oh. J'ai mis pour escalader en fait. Encore une.
sais pas si j'ai fait celui-là. Des légendes. Histoire de Zora 2. Le prince Sinon surfond un monstre. Un jour, Octorok, de la taille d'une montagne, n'était pas arrivé dans la mer des limites et tournait autour des pêcheurs, tourmentait, ne pouvant rester sans rien faire face à ce à la misère du peuple, le prince Sidon partit pour fondre le monstre. Il y vit, il fut avalé, ça c'est bête. Nombreux ceux qui s'étaient opposés au monstre, mais tous avaient été avalés. Ça c'est dommage. Ah, drôle de douleur. Ah, il attaque par l'intérieur. Ok. Ah, ok. Il s'est fait avaler, mais recraché par le monstre. Attendez, je prends des fleurs. Hein. Si c'est des fleurs ou des radis, hein, on va pas se faire. Hein. Hop là. Bon, il n'y en a plus là. Non, on a. Putain, il m'énerve cet enfoiré. Voilà. Viens là, toi. Bon, pas grave, on prend là. Profiter pour prendre des flèches. Hein. Je crois qu'il allait bouffer ma jambe, cet enfoiré. Cet enfoiré de renard. Oh putain, il est là, je l'ai même pas vu. Il faut prendre en photo, que j'avais fait d'ailleurs, mais bon, peut-être raté. Hein. Je suis peut-être mort, tu vas me dire.
Donc on prend en photo. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Voilà. Moi, j'ai pris la photo, je vais pouvoir aller le retirer. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai déjà fait. C'est un truc étrange, là, j'avoue que... Plouf. Où je suis là? Donc ça c'est fait. Donc maintenant on va lui reparler. Tiens, Balu, ce sera fait, je crois que j'en ai 10. Est-ce que j'en ai 10? Je sais plus. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'en ai 8? Ok, tant pis. Je reviendrai. C'est pas là. Voilà. Je voulais l'avoir fait. C'est pas la première photo, dommage. N'oublie pas ta récompense, merci. Et voilà, légende. Elles sont transmises de génération en génération. Quête du dragon qui permet de nager plus vite. Merci. Savais-tu que le lac de barrage à l'est est le fruit de la collaboration entre les Iliens et Zora? Une fois la construction du lac terminée, ils ont commencé à produire des jambières pour les Iliens qui venaient ici, mais au fil des ans, les Iliens ne furent de plus en plus rares. Et donc ils ont fermé boutique, ouais, tu m'étonnes. C'est le dernier qu'ils avaient, bah tant mieux, hein.
ça te sert à rien, toi, c'est normal, hein. Tu sais nager normalement. Donc, équipé, voilà. Donc, j'ai le haut et le bas. Il manque la tête. Alors, la tête, bah, je vais vous dire où elle est. On va y aller. Il faut déjà que je retourne. Cascade. Voilà la grande cascade. Il faut aller là en fait. Donc c'est totalement l'opposé, super. Merci. Remonter par là. Hop là. Ils sont de ma gueule ou quoi? Ah voilà, c'est en face. Allez, là-bas, on la voit. Et on y va. Mais non, c'est du géant, ça. Si, c'est ça, oui. Si, hop. Non, on va tourner à droite au lieu d'aller à gauche. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Non, oh, j'ai jamais été ici. Il y a quoi là? Il me gonfle ce renard qui me suit depuis tout à l'heure. Ah mais non, ok, c'est là où on se bat contre le boss. Ok, ok. Tiens, bah y'a rien par hasard. On sait jamais. Hein? Non, y'a rien. Bon, allons chercher le masque Zora. Désolé.
que j'ai fait tout à l'heure, ça me semble d'accord. Hein. Mais non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Il me dit bien que je foire un truc. C'est l'autre cascade. Comment faire pour y aller? Désolé, je fais n'importe quoi. Non, bah, je peux marcher, ok. La voilà la cascade. Hop là. Trois fois normalement. Ah non, deux fois. C'est là la plus haute. Hop là. Donc c'est quoi ça? Oh cool. Oh bah l'inox, trop classe, c'est ce qu'il voulait le mec. Enfin bon, je vais vous montrer où est le masque quand même. En fait, il faut monter. Et le masque, il est là, tout simplement. Il fait mon gueule ou quoi? Et voilà le masque.
profiter d'une rame qui permet de nager plus vite et d'utiliser l'attaque tornade dans l'eau. Ah oui, comment on fait? Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Alors attendez, on va faire accélérer, oui. Et tornade. Oh, trop classe. Ça a dû être été fait. Bon voilà. On a la tenue complète. Trop classe. Bon voilà, je vous remercie pour la vidéo. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu. Et puis à la prochaine. Au revoir.